cher Verseau, sur votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. La période concernée, c'est celle qui va du 17 juillet jusqu'au 31 août prochain. Voilà pour la petite introduction. Et donc, pour la structure du jeu, il y a quelques petites modifications. Néanmoins, j'ai gardé le fait d'avoir la première carte qui représente l'ambiance pour la période donnée. La deuxième carte, c'est la carte de maison astrologique qui nous donne le domaine sur lequel il faut se concentrer. Et donc là, j'ai changé. Par contre, j'ai priorisé l'aspect du point présent plutôt que celui du passé. Voilà. Ensuite, on a la deuxième carte qui représente l'obstacle ou une chose à développer concernant votre tirage, dans le thème. Et sur la dernière carte, le dernier point, pardon, c'est la carte qui représente l'évolution de la situation. Voilà, alors on commence avec l'arcane numéro 1 du tarot, qui donc nous donne l'ambiance pour la période donnée jusqu'à la fin août prochain. C'est le magicien ou le battleur, comme vous voulez, c'est la carte numéro 1. Et donc cette carte, déjà quand elle sort en premier, elle apporte une certaine protection, chance. Donc dans votre jeu, dans l'énergie de votre jeu pour la période donnée. Donc déjà, c'est déjà extrêmement positif. Ensuite, avec ce battleur, on peut parler de nouvelles circonstances ou de propositions qu'on cherche à mettre en place, à concrétiser. Et on peut parler aussi de favoriser certains aspects de notre vie. Il peut y avoir quelqu'un d'entre vous, certains d'entre vous, chers Verseau, qui viennent de rencontrer, de faire une rencontre extrêmement importante et qui donc maintenant sont en couple depuis peu. Et donc voilà, c'est ce qui est favorisé quand j'ai parlé d'aspects de la vie qui sont favorisés, donc c'est que vous y travaillez quoi en fait. Voilà, donc on commence avec la première carte sur le point présent qui est la carte de l'éperdu et qui est dans son sens renversé. Et donc ici, pour moi, c'est une relation qui est en difficulté. La vie quotidienne est devenue peut-être instable, incertaine. Il y a une prise de conscience, de modification indispensable à faire pour que la relation, pour que votre relation soit moins incertaine, qu'il y ait la possibilité de faire des réalisations qui soient beaucoup plus concrètes. Et voilà, des points clés, il y a des points clés qui sont à clarifier dans la relation, concernant donc notamment les engagements que vous avez l'un, vos engagements ou l'engagement que vous avez l'un envers l'autre. C'est-à-dire sur le côté dans votre relation, est-ce que vous souhaitez cette relation pour quelque chose, pour une durée longue, pour mettre en place quelque chose qui soit pour du long terme, est-ce que vous avez entre vous et même avec vous-même assez d'intégrité, de vérité des sentiments qui sont échangés? Est-ce que vous pensez être vraiment dans ce que vous souhaitez, ou alors est-ce que vous vous adaptez à votre partenaire simplement pour lui plaire ou
pour consolider la relation, mais d'une manière artificielle. Tout ça, ce sont des questionnements sur lesquels il faut aller. Donc, c'est un questionnement commun. En gros, ça dit qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous comptez matérialiser ce que vous voulez? Alors, j'ai envie de mettre une carte supplémentaire ici, et je pense que j'en mettrai une sur la deuxième, sur le point d'obstacle, que j'ai appelé obstacle, ou alors une chose à développer. Donc, on va d'abord faire le premier point du présent, où on va recouvrir la carte, donc la carte de l'éperdu. Voilà. Je coupe en deux et je prends la première carte et on la retourne. Voilà. Donc, alors, je vais interpréter sans vous montrer. Donc, c'est la carte du soleil, mais qui est dans son sens défavorable. Elle est renversée et qui, voilà, qui en fait vient valider l'aspect qu'il y a une difficulté à se comprendre, à se faire comprendre, à échanger donc avec votre partenaire, et que peut-être il y a justement des choses à clarifier dans votre engagement. Il y a une incompréhension au départ. Qui pose problème entre vous pour qu'il y ait une meilleure entente, un meilleur sens de mise en commun des valeurs, des besoins qui ne sont pas comblés parce qu'au départ, ils ne sont pas assez explicites. Alors, soit parce que l'un ou l'autre n'en a pas pris connaissance, n'en a pas tenu compte. Et donc maintenant, vous êtes arrivé à un moment de votre relation où il faut expliciter tout ça beaucoup plus clairement, l'exprimer davantage, en tout cas être beaucoup plus clair dans ce que vous souhaitez, notamment donc envers l'autre et envers vous-même. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de fausses vérités qui puissent faire obstacle dans votre relation. Sur le point, donc, justement, de l'obstacle ou de la chose à développer, on a, pour qu'il y ait une meilleure, pour qu'il y ait une amélioration dans la relation, il y a la carte de l'aguerri qui est renversée. C'est une carte qui a une très forte énergie et qui parle, qui peut y avoir une très grande franchise, mais comme elle est dans un point qui est assez sensible, je parle plutôt donc dans ce cas-là d'une franchise qui serait plutôt destructrice vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi-même. Il n'y aurait pas dans ce cas-là de respect de son intégrité propre. Et dans l'autre sens, donc, ce serait l'intégrité du partenaire qui ne serait pas respectée. Donc, une certaine forme donc d'intolérance. Donc, on parle ici quand même de détermination, de conviction, de vouloir à influencer l'autre, ou influencer sa vie, mais avec un certain nombre de difficultés qui empoisonnent, qui rendent l'aspect justement de votre vie et du couple, de l'échange qu'il y a, du lien, qui est inconfortable. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je vais mettre une autre carte dessus, sur ce point-là, pour essayer d'approfondir.
va prendre la première carte et on va la retourner. Et cette première carte, alors c'est la carte de l'ermite qui est dans son sens renversé, donc défavorable en fait. Et donc dans cet aspect-là, je pense qu'il y a justement dans l'engagement lui-même, de l'un envers l'autre, il y a cette difficulté de savoir, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment vous engager? Ou alors, vous ne le souhaitez pas et donc vous ne l'avez pas précisé à votre partenaire et vous êtes arrivé à un point de la relation justement maintenant où il faut donner des vérités à la relation, il faut la consolider. Or, lorsqu'il n'y a pas assez de clarté, notamment dans votre engagement propre et votre engagement vis-à-vis de l'autre personne, là, ça pose problème. Ou alors, il y a eu une incompréhension au départ. Ou alors, une autre supposition, c'est que je pense qu'il y a une peur. Et comme elle est sous cette forme-là, dans ce point-là, elle peut être cette peur non inconsciente. Donc, là, il faut vraiment éclaircir la chose, prendre le temps entre vous de discuter, d'échanger sans jugement de valeur destructeur, sans jugement pour dire des choses, des cruautés, quoi. Hein, il n'y a pas de cruauté ni de choses de ce genre à dire dans l'échange qui est préconisé. C'est plutôt un échange à égalité pour éclaircir ce que vous voulez et ce que veut l'autre personne et trouver, s'il n'y a pas d'accord qui se fait facilement, eh bien trouver un consensus, un point d'entente, peut-être intermédiaire, et se donner le temps toujours de la réflexion pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir continuer ensemble. Sur le point qui parle de l'évolution, eh bien, on a la carte de l'errant qui est à l'endroit, qui c'est une carte très positive, qui parle justement d'adaptation aux circonstances, aux valeurs, aux besoins de l'autre. Et ce qui est très, très important également, à ses propres besoins et à ses propres valeurs. Il n'est pas question ici de passer outre à son intégrité propre et à passer en dehors de ça. Ici, la priorité, c'est de valoriser, de se valoriser à travers donc nos choix, nos décisions, nos valeurs, ce qui est important pour nous. Donc, on connaît avec cette carte, cher Verseau, vous connaissez normalement vos limites, vous connaissez vos valeurs, qui parlent d'ailleurs de liberté et de créativité. Et donc ici, cette carte, elle vous apporte aussi la chance qui est avec vous. Et elle vous dit aussi de ne pas, d'éviter de la comparaison avec soit des proches, soit des gens que vous connaissez plus ou moins bien, en essayant de leur ressembler. Parce que dans ce cas-là, il y aurait en fait comme une déformation, une inadaptation. Il faut vraiment rester intègre avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous croyez de bon pour vous. Et elle vient souligner également qu'il peut y avoir donc certains déplacements, certains voyages que vous allez faire dans le cadre de votre relation
avec votre partenaire. Voilà, cher Verseau, je vais vous souhaiter eh bien, de très belles vacances, en tout cas un très bel été. Et puis, je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.